Programme peut vous sembler chargé, mais je suis sûr que vous êtes assez motivé pour relever le défi. Nous serons à vos côtés afin de vous conseiller et de vous apporter toute l'aide dont vous aurez besoin. Entrons dans le vif du sujet. Je vous propose ici un schéma de principe avec les différents éléments que vous allez retrouver sur votre installation. En 1, nous avons le compresseur. En 2, le condenseur. En 8, la bouteille de liquide. En 7, le filtre déshydrateur, l'appareil donc que vous allez devoir remplacer. En 6, le voyant liquide. En 5, l'électrovanne. En 4, le détendeur. En 3, l'évaporateur. Donc c'est l'appareil qui permet de refroidir la chambre froide. Et donc nous revenons ainsi à l'entrée du compresseur. A noter que nous avons deux vannes de service repérées avec la lettre H, mais aussi avec la flèche verte. Donc ce sont des appareils qui vont nous permettre de communiquer avec l'installation. Fixons ces différents équipements sur l'installation. Tout d'abord, nous avons ici le compresseur qui est le cœur de l'installation. Il permet de mettre en mouvement le fluide frigorigène. Le gaz qui sort du compresseur entre au condenseur et se refroidit via l'air extérieur. Le fluide frigorigène ressort à l'état liquide, traverse la vanne de service HP fixée sur la bouteille de liquide. Le fluide frigorigène à l'état liquide traverse une vanne manuelle et donc va traverser ensuite le filtre déshydrateur. Ça sera l'appareil qu'il faudra remplacer lors de votre dépannage. Ensuite, nous avons le voyant liquide, l'électrovanne, et le fluide peut rentrer à l'intérieur de la chambre froide. Le fluide ici traverse le détendeur, passe d'une HP à une BP, c'est-à-dire que le fluide frigorigène à l'intérieur de l'évaporateur est à basse température et va permettre donc de refroidir la chambre froide. À la sortie de l'évaporateur, nous avons du fluide frigorigène à état gazeux, qui retourne vers le compresseur. On retrouve à l'extérieur de notre chambre froide les vapeurs BP. Donc on reconnaît facilement ce tube car il est isolé. Ces vapeurs traversent une vanne manuelle et sont aspirées dans le compresseur via la vanne de service BP. La vanne de service est un équipement de notre installation bien utile. Elle facilite les opérations de maintenance, de dépannage, de contrôle sur notre circuit frigorifique. Cette vanne est généralement en acier et elle est munie de deux prises de pression. En 1, nous avons la prise de pression permanente. C'est la prise de pression sur laquelle nous allons raccorder les appareils de sécurité comme le pressostat HP ou le pressostat BP. En 2, nous avons la prise de pression du manifold ou du manomètre. C'est par l'intermédiaire de cette prise de pression que nous allons raccorder nos flexibles afin de pouvoir lire la valeur de pression HP et BP de notre installation. En 3, nous avons l'arrivée ou l'entrée du fluide frigorigène. En 4, nous avons un écrou de raccordement. Cet écrou va permettre de fixer la vanne de service soit sur le compresseur ou soit sur la bouteille de liquide. En 5, nous avons le pointeau de la vanne. En 6, la tige de réglage, on l'appelle aussi carré de manœuvre. Et enfin, en 7, nous avons le presse-étoupe d'étanchéité. Ce presse-étoupe est très important car lorsque vous voudrez intervenir sur votre installation, il faudra décomprimer le presse-étoupe avant de manœuvrer la tige de réglage, le carré de manœuvre. Cette vanne permet trois types de positionnement. Nous avons la position en cale avant, la position en cale de lecture et enfin la position en cale arrière. On obtient une de ces trois positions en agissant sur le carré de manœuvre.
numéro 6. C'est-à-dire que lorsque vous allez dévisser, vous allez tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, le pointeau numéro 5 va reculer et se mettre donc en cale arrière. A l'inverse, lorsque vous allez serrer le carré de manœuvre, c'est-à-dire que vous allez tourner dans le sens horaire, le pointeau va s'avancer. Alors essayons de préciser ces trois positions. Donc ici, la vanne est en cale arrière, c'est-à-dire que le carré de manœuvre a été dévissé dans le sens anti-horaire. On voit ici que la prise de pression manométrique, c'est-à-dire la prise de pression sur laquelle on va raccorder notre manomètre, n'est pas accessible. Ensuite, nous avons ici une deuxième position, la position de lecture. On dit aussi cale de lecture. On recherche cette position pour pouvoir mesurer les valeurs de BP et de HP via la prise de pression qui est maintenant ouverte. Donc cela est possible car le carré de manœuvre a été serré, donc dans le sens horaire. Le pointeau s'est déplacé vers la gauche, ce qui permet au fluide frigorigène de traverser la chambre de prise de pression manométrique. Enfin, nous avons ici la dernière position. La vanne est en position cale avant. Le pointeau est donc en position avant sur le siège. Le carré de manœuvre a été vissé à fond, c'est-à-dire que la tige a été serrée dans le sens horaire, ce qui a provoqué un déplacement du pointeau de la droite vers la gauche. Dans cette position, la tuyauterie est obturée, c'est-à-dire que le fluide frigorigène ne peut plus circuler dans notre installation frigorifique. Je termine ici avec une image, c'est une vanne de service qui est coupée en deux. Le fluide frigorigène entre au niveau de la flèche jaune. Au niveau du rond bleu, c'est l'endroit où vous allez brancher vos manifolds, donc c'est la prise de pression manométrique. Le carré de manœuvre, lui, est indiqué avec une flèche rouge. Et enfin, nous avons le pointeau qui est indiqué avec une flèche blanche. Chapitre 2, l'outillage nécessaire, la pose et la dépose des manomètres. Tout d'abord, je vais vous présenter les différents outils nécessaires pour votre intervention. Il faudra bien sûr une pompe à vide, dont vous aurez vérifié le niveau d'huile avant utilisation. Le niveau d'huile devra être compris entre les repères min et max. Au-dessus de la pompe à vide, vous avez un bouchon bleu qu'il faudra laisser ouvert pour le dégazage et un bouchon jaune pour faire vos appoints d'huile. Vous avez ensuite une prise de pression qui va vous permettre de raccorder votre flexible jaune de votre manomètre. Enfin, le bouton marche arrêt se trouve à l'arrière de la machine. Ensuite, nous avons une clé plate de 11 afin de décomprimer le presse-étoupe de la vanne de service, une clé de frigoriste, une clé à molette, un tournevis plat qui va nous permettre de régler le zéro des manomètres, et enfin, nos manomètres. On reconnaît ici en bleu le manomètre BP et en rouge le manomètre HP. Il faudra régler le zéro des manomètres car les aiguilles de ce type d'équipement sont très sensibles aux vibrations. Donc vous avez une vis de réglage qui se trouve généralement au-dessus. Cette vis peut se retrouver en façade. Et avec un tournevis plat, régler le zéro du manomètre. Donc ici, visiblement, le zéro du manomètre BP n'était pas réglé. Par contre, celui du HP est bien réglé. Ensuite, on peut dire un mot sur les flexibles. Donc, chaque flexible doit être équipé d'un robinet obturateur à son extrémité. Ici, nous avons le flexible rouge HP qui est équipé d'un robinet, mais également le jaune et le bleu. Vous devrez vous équiper de gants car le fluide frigorigène est très chaud côté HP et très froid côté BP. Cela peut occasionner des brûlures. Il faudra vous équiper également de lunettes de protection. Passons à la pose des manomètres. Dans un premier temps, il faudra tirer au vide vos flexibles qui sont restés à l'air libre. Cet air ne doit pas être introduit dans l'installation. Pour cela, nous allons utiliser une pompe à vide. Mais dans un premier temps, nous allons brancher nos flexibles sur l'installation. Nous allons commencer ici par la vanne de service HP située sur la bouteille de liquide. Dans un premier temps, il faudra
dévisser le bouchon et accéder au carré de manœuvre. Avant d'ouvrir mon bouchon de prise de pression, il faut vérifier que mon carré de manœuvre est bien en cale arrière. Pour cela, je vais dévisser. Ma cale ici est bien en cale arrière. Je peux ouvrir mon bouchon de prise de pression sans aucun risque. Rangez soigneusement tous les bouchons que vous aurez démontés sur l'installation pour pouvoir les remonter et les retrouver plus facilement à la fin de l'intervention. Vous pouvez maintenant raccorder votre flexible rouge, le flexible HP. Il faudra serrer fermement votre connexion et bien vérifier que la vanne de l'obturateur est ouverte. Il faudra également ouvrir la vanne du manifold côté HP. Ensuite, nous allons réaliser la même opération pour la vanne de service BP. Donc on démontera le capuchon avec la clé à molette. Nous allons centraliser tous les bouchons au même endroit pour ne pas les perdre. Et on va vérifier que la vanne de service est bien en cale arrière en desserrant la tige. Donc on peut ouvrir ici sans problème le bouchon de prise de pression car la vanne de service est en cale arrière. On continue à centraliser nos bouchons. Maintenant, on peut raccorder le flexible bleu. C'est le flexible qui va aller donc sur la vanne de service BP. Donc, il faudra raccorder la connexion fermement afin d'éviter les fuites lors de l'ouverture de la vanne. On vérifie également que la vanne, l'obturateur ici, est en position ouverte et que le robinet au niveau du manifold est ouvert également. Donc vous voyez, il y a pas mal de manipulations à faire, donc je vous invite à organiser votre poste de travail. Nous pouvons maintenant nous occuper du flexible jaune, c'est la voie de service. L'idée ici, c'est de vider l'air contenu dans le flexible rouge et bleu. Pour cela, on raccorde l'extrémité du flexible jaune à la pompe à vide. On vérifie bien sûr que le robinet du flexible est ouvert. Et ensuite, il n'y a plus qu'à allumer la pompe à vide. On pourra arrêter le tirage au vide lorsque les aiguilles des manomètres HP et BP indiqueront moins 1. Vous avez sûrement remarqué que j'ai fermé dans un premier temps le robinet sur l'extrémité du flexible jaune avant d'éteindre la pompe à vide. À ce stade, vous pouvez retirer le flexible jaune en faisant attention de laisser le robinet à l'extrémité du flexible fermé, car sinon vous allez perdre le vide et vous allez devoir recommencer l'opération. Ensuite, il faudra bien penser à fermer les robinets HP et BP du manifold. Cela arrive très souvent que des candidats les laissent ouverts, donc du liquide HP se retrouve à l'entrée du compresseur, ce qui peut être très dangereux. Nous allons maintenant libérer le fluide en ouvrant les carrés de manœuvre. Mais dans un premier temps, il va falloir dévisser légèrement le presse-étoupe avec la clé plate de 11. Donc on le voit ici en gros plan. Nous allons ensuite utiliser la clé à cliquer et serrer dans le sens horaire pour ouvrir la vanne de service. Et on voit que la pression est tout de suite montée côté BP. Nous allons réaliser la même opération côté HP, mais avant, il faut resserrer le presse-étoupe de la vanne de service BP. Donc, même principe pour la vanne de service HP. Dans un premier temps, on dévisse le presse-étoupe avec une clé plate de 11, pas avec une pince multiprise, s'il vous plaît. On prendra la clé à cliquer et on va serrer la tige dans le sens horaire. On va libérer le fluide frigorigène et on note une pression côté HP. On n'oublie pas de resserrer le presse-étoupe. Donc nous avons terminé l'opération pose des manomètres. Cette opération n'est pas très compliquée si on est un tout petit peu méthodologique. Nous allons maintenant mettre en route l'installation, faire quelques mesurages et ensuite retirer les manomètres dans les règles de l'art. Donc la mise en route de l'installation, vous allez voir, c'est très simple, il ne faut pas vous inquiéter.
Donc nous avons ici une prise triphasée, donc trois phases, un neutre et une terre. Nous allons brancher cette prise pour pouvoir alimenter l'armoire électrique. À l'opposé d'armoire, il devrait y avoir un suctionneur qui est sur 0 actuellement. Et nous le mettons sur 1 pour pouvoir alimenter notre armoire côté puissance. Ici, nous avons des vannes. Il faudra vérifier que toutes les vannes du circuit soient bien ouvertes. Et enfin, donc il faudra choisir le mode régulation, pop and down ou thermostatique. Dernière partie de cette vidéo, la dépose des manomètres. Donc la machine a été mise en route, les flexibles et les manomètres sont sous pression, le technicien a pu réaliser sa campagne de mesure. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir retirer dans les règles de l'art les flexibles sans perte de fluide. Alors lorsque l'on souhaite retirer des flexibles, on commence toujours par la partie HP. Donc ici, nous allons fermer la vanne de service HP. Donc on va décomprimer le presseto et mettre le carré de manœuvre en cale arrière. Ne pas oublier de resserrer le presseto. Et donc l'idée ici, c'est de vider le flexible rouge, le flexible HP. Donc je vais ouvrir ici mon robinet sur le manifold côté HP. Et l'objectif, donc, ça sera d'aspirer tout le fluide par l'aspiration du compresseur. Donc, je vais fermer la vanne de départ liquide. Ainsi, il n'y aura plus de fluide frigorigène qui sera envoyé vers l'évaporateur. Et le compresseur va aspirer tout le fluide frigorigène contenu dans la partie BP. Et terminera donc par les flexibles qui sont fixés sur les vannes de service. Donc, je peux ouvrir ici le robinet côté BP. Et on voit que la pression côté BP et HP diminue car le compresseur est en train d'aspirer le contenu des flexibles. A ce stade, nous sommes très proches de 0 bar au niveau de mes manomètres. Donc il faudra forcer le pressostat BP afin que le compresseur continue à vider les flexibles. Donc je me prépare à fermer bientôt le carré de manœuvre. Donc je décomprime le pressétoupe. Je force au niveau de la gâchette numéro 3 mon pressostat BP. Et lorsque j'aurai 0 bar au niveau de mes manomètres, je pourrai mettre ma vanne de service en cale arrière. Donc on voit ici la pression qui chute en forçant donc le pressostat BP. Et à 0 bar, je mettrai ma vanne de service en cale arrière. L'intervention est presque terminée. Les vannes de service sont en cale arrière, les deux manomètres indiquent 0 bar en pression, il n'y a plus de fluide dans les flexibles. Vous avez réussi votre intervention, vous avez posé et déposé les manomètres dans les règles de l'art. Il ne vous reste plus qu'à remettre les bouchons. Donc serrez tous les boulons à la main, terminez votre serrage à la clé à molette avec un serrage modéré et merci de ne pas utiliser une pince multiprise. L'opération de pose et de dépose des manomètres est finie. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Troisième partie, récupération du fluide frigorigène de notre installation, mise en place du matériel. Outre les outillages que l'on a vus précédemment, il faudra ici une station de récupération, une balance électronique de précision et une bouteille de transfert. Il faudra organiser correctement votre poste de travail car comme vous pouvez le voir, l'espace est restreint et vous avez quand même un certain nombre d'équipements à poser. Donc l'idée ici, c'est de transférer le fluide frigorigène directement dans la bouteille de transfert. Il faudra également utiliser donc une balance de précision. On aura pour nous aider la station de récupération qui pourra transférer donc le fluide frigorigène du groupe vers la bouteille de transfert.
Dans la première étape, on va utiliser la pompe à vide pour pouvoir tirer au vide les flexibles, le manifold et la station de récupération. Pour cela, nous allons fixer nos flexibles sur les vannes de service comme nous avons vu précédemment. Donc, nous allons retirer bien sûr le capuchon, vérifier que le carré de manœuvre est bien en cale arrière. C'est le cas ici. On peut retirer le bouchon de la prise de pression sans aucun problème. Donc il ne faut pas oublier que l'installation est remplie en fluide frigorigène. Pour bien fixer dans vos esprits ce geste professionnel, regardons la même scène mais au ralenti. Pour ceux qui sont de ma génération, ils pourront comprendre facilement cette expression. Donc on vérifie toujours que le carré de manœuvre est en cale arrière. On peut retirer le bouchon de la vanne de service et raccorder notre flexible BP. Nous allons ensuite réaliser la même opération pour la vanne de service qui est fixée sur la bouteille de liquide, donc c'est la vanne de service HP. On retire le bouchon, on vérifie que notre carré de manœuvre est en cale arrière. Vous commencez à avoir l'habitude. Dans notre cas, le carré de manœuvre est bien en cale arrière. Je peux retirer en toute sécurité le bouchon de prise de pression avec une clé à molette. Encore une fois ici, je vous propose de bien fixer ce geste professionnel. Je retire le capuchon noir. Je vérifie que mon carré de manœuvre avec ma clé à cliquer est bien en cale arrière. C'est le cas ici, je peux retirer le bouchon de la prise de pression avec une clé à molette. Ensuite, on peut donc connecter le flexible rouge, le flexible HP. On le raccorde en serrant fortement sur la vanne de service afin d'éviter les fuites. Alors voici une partie intéressante. Donc je récupère mon flexible jaune, c'est la voie de service, que je vais raccorder cette fois-ci à la station de transfert, car elle aussi doit être tirée au vide. Donc je branche ce flexible jaune au niveau du robinet bleu, c'est le IN de la station de transfert. Je serre fortement, je prends un quatrième flexible jaune que je vais brancher à la pompe à vide. Faites attention, le robinet obturateur doit être installé côté pompe à vide. Il est temps maintenant de vérifier que toutes les vannes sur mon circuit soient ouvertes. Donc j'ouvre la première qui est ici au niveau de ma pompe à vide. La vanne arrive au niveau de la sortie de la station de transfert au niveau du out. On voit qu'elle est fermée, je l'ouvre, je la mets sur open. Le bouton noir, on y reviendra après, mais il faudra qu'il soit sur recovery. Le bouton bleu n'est pas sur open, donc je le mets sur open. La vanne à l'entrée de la station est fermée, il faut l'ouvrir. Pour assurer donc un tirage au vide complet de tous les flexibles. Donc je continue mon cheminement, j'arrive au niveau de mon manifold, les deux robinets au niveau des manomètres doivent être ouverts, complètement ouverts. Je vais du côté HP pour vérifier que mon robinet HP est ouvert, et ben non il est fermé, donc je l'ouvre. Je me dirige cette fois-ci côté BP, j'ouvre donc le robinet BP, et je suis mon flexible jusqu'à ma vanne de service. Et mon robinet dans ce cas est aussi fermé, il faut que je l'ouvre. Nous sommes prêts à tirer au vide les flexibles et la station de transfert. A noter que les vannes de service sont en cale arrière, c'est-à-dire que le fluide frigorigène est encore contenu à l'intérieur de l'installation. Nous pouvons allumer ici la pompe à vide. Donc ici, on s'aperçoit que ça descend. Et ici. Les manomètres sont à moins 1 bar. Cela prouve que la station de récupération et les flexibles ont bien été tirés en vide. Donc il faut fermer toujours en premier le robinet du flexible, puis la pompe à vide. Je peux donc déconnecter mon flexible jaune et le fixer sur ma bouteille de transfert.
Au niveau de la bouteille de transfert, elle est de couleur jaune ici, elle peut être aussi de couleur verte. On a deux vannes qui sont situées sur le dessus de la bouteille, une vanne rouge et une vanne bleue. La vanne rouge, c'est la vanne liquide qui est reliée à un tuyau qui descend au fond de la bouteille. Au niveau de la vanne bleue, elle est là pour récupérer les vapeurs situées en haut de la bouteille. Comme on peut le voir sur la photo, la valeur de la tare est indiquée. Ici, la tare est de 7,2 kg. La tare, c'est la masse de la bouteille à vide. On peut aussi noter la quantité maximum de fluide frigorigène que l'on peut mettre dans la bouteille. Par exemple, une machine qui utilise du R404A, je pourrais mettre au maximum 10 kg de fluide frigorigène. Donc sur ma balance, une bouteille pleine fera 7,2 kg de tare plus 10 kg de fluide frigorigène de type R404A, soit une masse totale de 17,2 kg. Cette quantité de fluide frigorigène que peut contenir une bouteille de transfert n'est pas à prendre à la légère, car une bouteille qui serait par exemple stockée dans une voiture en plein été pourrait très facilement exploser. Alors revenons un tout petit peu en arrière, nous avons tiré au vide les flexibles et la station de récup. Je peux fermer le robinet du flexible jaune, éteindre la pompe à vide et retirer mon flexible. Ce flexible se branchera directement au niveau de la bouteille de transfert, qui elle-même est posée sur la balance de précision. Il est temps maintenant d'ouvrir le robinet rouge de la bouteille de transfert et d'ouvrir également le robinet obturateur du flexible jaune. Donc revoyons l'opération de près. Donc j'ouvre le robinet obturateur du flexible et le robinet rouge de la bouteille de transfert. Il est important à ce niveau de noter la masse de départ de la bouteille. Une fois l'ensemble stabilisé, ne plus toucher à la bouteille. Vous allez ensuite ouvrir toutes les vannes du circuit. Vous allez également aussi retirer la bobine de l'électrovanne car l'armoire électrique est désalimentée et donc cet appareil bloque le passage du fluide frigorigène. Donc vous allez placer à la place un aimant permanent afin de libérer le fluide frigorigène dans cette partie d'installation. Ensuite, nous allons ouvrir nos vannes de service afin de libérer le fluide frigorigène. Donc on décomprime le presse-étoupe et on serre d'un quart de tour le carré de manœuvre. La vanne du flexible HP est fermée, il faudra l'ouvrir. Il faudra réaliser la même opération côté BP. Donc nous allons desserrer le presse-étoupe de la vanne de service BP et ouvrir d'un quart de tour la vanne de service BP. Nous avons également le robinet obturateur qui est fermé, il faudra l'ouvrir. Les vannes de service étant ouvertes, le fluide arrive au niveau du manifold. Côté HP, il faudra ouvrir donc le robinet HP et côté BP, il faudra ouvrir aussi le robinet BP. Le fluide est ensuite envoyé sur la voie de service, donc sur le flexible jaune, et arrive à l'entrée de la station de transfert. On ouvre maintenant le robinet du flexible jaune et on met le robinet bleu de la station de transfert en position liquide, le robinet noir sur recovery et le robinet rouge sur open. J'ouvre ici une petite parenthèse sur le fonctionnement de la station de transfert. Le fluide frigorigène arrive majoritairement à l'état liquide de notre installation frigorifique au niveau du robinet bleu, c'est le robinet IN. Il faudra veiller à placer ce robinet bleu sur la position liquide au départ afin de ne pas trop surcharger la station de récupération.
Lorsque votre transfert aura avancé dans le temps, nous pourrons ouvrir donc en grand et mettre le robinet sur position open. Ensuite, nous avons le bouton noir. Il a deux positions. La position recovery, donc qui va nous permettre tout simplement de récupérer le fluide frigorigène de l'installation, et la position purge. Donc, ce sera une position qu'on utilisera à la fin pour vider la station de transfert. Et enfin, nous avons le bouton rouge. Donc, il est placé à la sortie de la station de transfert. Il faudra positionner le bouton rouge sur le repère open et surtout ne pas le placer sur le repère close en fonctionnement, car vous allez mettre sinon la machine en sécurité. Il est presque temps d'allumer la station de récupération, mais avant il faudra tarer la balance, c'est-à-dire qu'il faudra appuyer sur le bouton 0 afin de connaître la valeur très précise du fluide frigorigène récupéré dans la bouteille de transfert. Nous pouvons maintenant appuyer sur les deux boutons. La station de récupération démarre. Donc on voit que le transfert de fluide frigorigène a lieu. Notre station de récupération aspire le fluide frigorigène à l'état liquide et le transfère à la bouteille. On voit que la masse au niveau de la balance augmente. Il est intéressant durant le transfert de garder un œil au niveau de vos manomètres. Ici, on observe que la pression descend tout doucement. Cela est bon signe. Cela veut dire que le transfert est en cours. Le transfert de fluide frigorigène a bien avancé. Il est temps de changer la position du bouton bleu et de le passer de la position liquide à la position 100% open. Cela va permettre d'accélérer un petit peu le transfert de fluide. Maintenant, il n'y a aucun risque, nous avons que de la vapeur, du fluide frigorigène à l'état gazeux qui arrive à la station. Donc le transfert de fluide frigorigène est terminé, les manos indiquent 0 bar. On peut confirmer aussi cela au niveau du manomètre BP de la station transfert qui nous indique aussi 0 bar. On peut fermer ici le robinet du flexible d'arrivée de notre manifold. Il est temps maintenant de purger l'installation, c'est-à-dire de vider la station de transfert du fluide qui reste à l'intérieur. Donc nous allons tourner le bouton noir et le placer sur la position purge et fermer le bouton bleu, le mettre en position close. Donc en mode purge, voici la position des robinets. Alors essayons de quantifier la masse de fluide frigorigène contenue dans la station de récup. Ici nous avons récupéré 452 grammes. Mettons notre station de récupération en route et constatons. Alors nous sommes encore en mode purge, la station de récupération délivre ses derniers grammes de fluide frigorigène à la bouteille et donc nous avons récupéré 480, donc c'est-à-dire la purge a permis de récupérer 18 grammes de fluide frigorigène. Donc à ce niveau-là, il restera toujours une petite quantité de fluide frigorigène dans la station. Cette quantité sera réinjectée à la fin de l'intervention directement dans le circuit de récupération. Donc nous pouvons éteindre notre station de récupération, fermer la bouteille de transfert donc en fermant le bouton rouge, fermer également le robinet obturateur du flexible jaune,
Il faudra également relever obligatoirement la masse de fluide frigorigène récupérée. Donc ici, nous avons récupéré 480 grammes et la noter sur la fiche de suivi. Je peux dévisser mon flexible jaune. Je le réserve pour la fin de l'intervention. Ensuite, je peux retirer le flexible qui a été branché sur les manifolds. Je range donc ma station de transfert et je la réserve pour la fin de l'intervention. Donc mon circuit frigorifique a été vidé de son fluide frigorigène. Je peux ouvrir le circuit et réaliser l'intervention. Mise sous pression d'azote, le test d'étanchéité. Vous avez réalisé avec efficacité le remplacement du filtre déshydrateur, vous avez brassé le raccordement, il faut tester maintenant l'étanchéité de l'installation. Pour cela, vous devez utiliser de l'azote de type U, c'est de l'azote déshydraté, c'est l'azote donc des frigoristes. Ça serait dommage d'envoyer une quantité supplémentaire d'humidité alors que votre filtre déshydrateur est neuf. Donc je prends mon flexible jaune de la voie de service, je le raccorde à ma bouteille d'azote. Et je peux ouvrir le robinet obturateur de mon flexible. Il faudra ouvrir la bouteille et vérifier que nous avons assez d'azote. Ici, nous avons 100 bars de pression dans la bouteille. Cela est suffisant pour faire notre recherche de fuite. Nous avons ensuite un deuxième manomètre qui va nous indiquer la pression injectée dans le circuit via donc le flexible jaune. Pour cela, donc, je vais régler la visure et détendeur pour avoir une pression à la sortie de 10 bars. Donc, le réglage n'est pas très précis, mais nous allons affiner cette valeur à l'aide des manomètres de l'installation. Vous aurez une limite de pression à respecter, surtout côté BP, car ici on a au niveau de notre pressostat BP une pression de fonctionnement de cet appareil maximale de 17 bars. Nous pouvons maintenant affiner le réglage du manomètre détendeur de la bouteille d'azote. Ici nous avons 10 bars. Nous relevons la pression au niveau du manomètre HP, donc nous avons ici 8 bars. Côté BP, nous aurons également normalement la même valeur, nous sommes à 8 bars. Nous pouvons augmenter un petit peu le serrage de la vis du détendeur pour atteindre nos 10 bars. Donc la pression dans le circuit augmente et arrive à notre valeur de réglage. À ce stade de l'intervention, nous pouvons fermer la bouteille d'azote. Donc j'ouvre ici une petite parenthèse, nous avons injecté 10 bars de pression d'azote dans l'installation. Nous nous sommes permis cette approximation car nous sommes en présence d'une petite installation frigorifique. Pour être plus précis, il aurait fallu prendre plutôt la pression maximale de fonctionnement côté HP, donc c'est la pression de condensation, et la pression maximale côté BP, c'est la pression d'évaporation. Dans notre cas, il faudra prendre en compte deux choses importantes. La valeur maximale au niveau du cadran de lecture de pression côté BP, on voit ici que l'aiguille est à 10 bars, elle ne peut pas aller plus loin. Si on avait injecté un peu plus d'azote, on aurait pu endommager le manomètre BP. Il faudra prendre également en compte la pression maximale de fonctionnement du pressostat BP, mais ça on l'a vu juste avant. A partir de là, on peut commencer notre recherche de fuite. On va utiliser une solution savonneuse. Ici nous avons la marque Prestobulle qui est très connue. Lorsque l'on dépose cette solution savonneuse sur un écrou ou une brasure fuyarde, on voit donc l'apparition de bulles. C'est pour ça aussi qu'on appelle le mille-bulles. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'appareil que nous avons remplacé. Ici, nous avons remplacé le filtre déshydrateur. On dépose un peu de solution savonneuse sur la brasure et on observe l'étanchéité du circuit. Dans notre cas, le circuit est étanche au niveau du filtre déshydrateur. Il faudra continuer le test d'étanchéité. L'idée ici, c'est de réaliser un tour complet de l'installation en testant l'étanchéité des raccords et des brasures. Donc il faudra être méthodique et rigoureux. On commence par le pressostat. Donc nous avons ici deux raccords, le raccord HP du pressostat et le raccord BP.
Donc on dépose de la solution savonneuse sur les écrous et on teste bien sûr l'étanchéité de la tuyauterie. Voilà. À ce niveau, donc nous avons vérifié toutes les brasures et tous les écrous du groupe de condensation à l'extérieur de la chambre froide. Il ne faut pas oublier de vérifier le détendeur qui se trouve à l'intérieur de la chambre froide. Donc ici, le test d'étanchéité du détendeur est positif. Il faudra toujours garder un œil sur vos manomètres. Ici, la pression n'a pas chuté, nous sommes toujours à 10 bars. Votre installation est étanche. Vous pouvez donc fermer la bouteille d'azote et déconnecter le flexible jaune. Vous pouvez libérer l'azote dans l'ambiance. L'azote est un gaz inerte. Donc dans l'air que nous respirons, il y a 79% d'azote pour 21% d'oxygène. Alors utilisez ces 10 bars de pression d'azote afin de nettoyer le condenseur. Ça fait toujours du bien à la machine. Vous êtes arrivé à ce niveau, je vous félicite, vous avez réalisé le test d'étanchéité à l'azote. Tirage au vide de l'installation. Le tirage au vide est nécessaire non seulement pour enlever l'air contenu dans l'installation, cet air s'appelle les incondensables, mais aussi le tirage au vide sert à retirer l'humidité. La méthode étant de faire passer cette humidité de l'état liquide à l'état vapeur, en descendant suffisamment au vide. Par exemple, lorsque nous aurons une température ambiante de 20 degrés, il faudra atteindre une dépression qui se situe aux alentours de 25 millibars, pour passer donc l'humidité de l'état liquide à l'état vapeur. Pour mesurer le niveau de vide dans notre installation, il faudra utiliser un appareil très pratique qui s'appelle un vacuomètre. Il existe deux versions, la version vacuomètre électronique qui s'affiche sur vos écrans, mais aussi nous avons la version mécanique avec le vacuomètre à aiguille. Au repos, l'aiguille du vacuomètre, l'aiguille noire, indique environ 1 bar. C'est la valeur de la pression atmosphérique. Ensuite, nous avons une courbe très intéressante qui va nous aider à trouver donc la valeur de dépression en fonction de la température ambiante de notre local. Donc à 20 degrés de température ambiante, il faudra atteindre un niveau minimal d'environ 25 millibars afin de tirer au vide correctement notre installation et d'évacuer toute l'humidité contenue dans les tuyauteries. Nous avons ici le vacuomètre à aiguille. Une petite aiguille rouge nous permet de régler la valeur qu'on souhaite atteindre. Donc dans notre cas, nous sommes à 20 degrés Celsius d'ambiance. Il faudra descendre au minimum à 25 millibars. Si nous sommes en dessous, ça sera encore mieux. Il faudra fixer un flexible supplémentaire sur le vacuomètre, ouvrir le robinet obturateur et fixer l'autre extrémité sur la prise de pression supplémentaire au niveau de la voie de service de notre manifold. Cette prise de pression supplémentaire est équipée d'une valve Schrader. Le vacuomètre est fixé à mon manifold via le flexible. Il reste encore le flexible de la voie de service à raccorder au niveau de la pompe à vide. Alors nous avons ici une étape très importante, c'est la vérification de l'ouverture de tous les robinets du circuit. Donc ici, nous avons le premier robinet qui était fermé, il faudra l'ouvrir. Au niveau du manifold, nous avons le robinet du vacuomètre qui est ouvert. Les deux robinets de nos manomètres sont ouverts également. Il faudra aussi vérifier que toutes les vannes du circuit soient ouvertes. On termine par les robinets raccordés sur les vannes de service. Puis, on peut démarrer la pompe à vide.
La pompe à vide est en route et on voit que la pression dans le circuit descend. On peut le constater sur le manomètre PP, mais surtout sur le vacuomètre qui est vraiment très précis. Actuellement, nous sommes à un niveau de dépression de 250 millibars. Nous sommes en dessous de la pression atmosphérique. L'idée, c'est de rejoindre l'aiguille rouge, qui se trouve à 25 millibars. Le tirage au vide se poursuit. Le niveau de dépression dans l'installation descend. L'aiguille noire, par contre, descend de moins en moins vite, car nous sommes sur des niveaux très bas. Donc il faudra attendre le temps nécessaire, cela peut durer une demi-heure comme plusieurs heures, et afin donc d'obtenir le niveau de dépression souhaité. Nous avons maintenant atteint le niveau de vide souhaité. Nous pouvons refermer ici le robinet sur le manomètre HP et aussi sur le manomètre BP. Ensuite, nous pourrons retirer le flexible de notre vacuomètre. Il n'y a aucun souci d'étanchéité car nous avons ici une prise de pression Schrader sur notre manifold. Nous pouvons nous diriger vers la pompe à vide, fermer le flexible. Vous pourrez éteindre la pompe à vide, desserrer votre flexible qui est fermé et replacer le bouchon que vous avez démonté sur la voie de service. Votre installation est tirée au vide. Elle est prête à accueillir le fluide frigorigène. Nous allons détailler cette intervention dans la prochaine vidéo. Dans ce chapitre, nous allons réaliser la charge en fluide frigorigène. On retrouve ici notre circuit frigorifique que l'on a tiré au vide. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour cette opération. Il faudra maintenant relier le flexible jaune à la vanne numéro 5, donc c'est le robinet rouge qui est sur notre bouteille de transfert, et charger l'installation avec la quantité indiquée sur la fiche signalétique de la chambre froide. Ici, il faudra recharger l'installation avec 1,1 kg de fluide de type R407F. Nous pouvons revenir à notre installation. Nous avons ici notre installation qui est tirée au vide, le vide est bien maintenu, nos manomètres sont toujours sur moins 1 bar. On récupère donc le flexible jaune qui a donc son robinet pour l'instant toujours fermé et on n'oublie pas qu'il faudra recharger 1,1 kg de fluide frigorigène de type R407F. Donc je relie mon flexible à ma bouteille de transfert. Je serre fermement ma connexion. Il faudra ensuite remettre à zéro la balance afin de connaître la quantité de fluide injecté dans notre installation et ouvrir le robinet obturateur de notre flexible jaune. Il faudra ouvrir le robinet rouge de la bouteille à la fin. On arrive à la partie un peu délicate de l'intervention. Donc ici, il faudra dans un premier temps fermer la vanne BP du manifold. Car nous allons transférer le fluide frigorigène par migration naturelle directement côté HP dans la bouteille de liquide. Ici, dans un premier temps, je vais fermer le robinet d'arrêt du flexible. Et donc, je vérifie bien que tout mon circuit ici est ouvert et prêt à recevoir le fluide frigorigène. Donc, je reviens à ma bouteille et j'ouvre maintenant le robinet rouge. C'est à partir de ce moment que le fluide frigorigène est libéré, il progresse dans le flexible, il arrive au niveau du manifold, on voit qu'il y a de la pression au niveau HP, ensuite le fluide progresse dans le flexible rouge, il arrive mais il est bloqué au niveau de l'obturateur que je vais ouvrir ici brusquement. Le fluide remplit la bouteille de liquide et on voit donc qu'il y a un transfert de fluide frigorigène. On peut également visualiser ce transfert avec la balance, donc on voit ici que nous sommes à 140 grammes injectés dans la bouteille de liquide. La migration naturelle de la bouteille vers le circuit est terminée. La bouteille ne dispose pas assez de pression pour pouvoir compléter la charge à 100%. Ici, nous devions remplir l'installation avec 1,1 kg. Or, il nous manque 152 grammes de fluide frigorigène.
Or, il reste encore du fluide frigorigène dans la bouteille de transfert. Une petite astuce, donc nous allons allumer notre armoire électrique et nous mettre en régulation pop and down comme d'habitude et s'aider du compresseur afin d'aspirer les 152 grammes manquants. Donc dans un premier temps, il va falloir fermer le robinet HP du manifold et donc nous allons ouvrir le robinet côté BP des manomètres. Donc on voit bien ici que le compresseur aspire les vapeurs encore contenues dans la bouteille de transfert. Il n'y a pas de risque de coup de liquide, on le voit ici au niveau du voyant des manomètres. Il n'y a que du fluide frigorigène à état gazeux qui passe. Nous nous rapprochons des 1,1 kg de fluide frigorigène transféré. Il faut nous préparer à fermer les robinets au niveau des manifolds, mais aussi au niveau de la bouteille de transfert. Nous avons atteint la masse de 1,1 kg. Il faudra maintenant fermer très rapidement le robinet situé sur le manifold côté BP. Relevez précieusement la valeur de la charge en fluide frigorigène afin de pouvoir compléter par la suite la fiche de suivi. Donc à ce stade, il faudra maintenant fermer le robinet rouge de la bouteille de transfert, mais également fermer le robinet obturateur du flexible jaune. Vous pouvez maintenant dévisser la connexion et déposer le flexible en attente de retirer vos manomètres. Alors j'espère que vous n'avez pas oublié qu'on avait laissé du fluide frigorigène dans la station de récupération. C'est le moment de la réinjecter dans le circuit. Il est interdit d'évacuer ce fluide frigorigène à l'atmosphère. Donc nous avons ici la prise de pression sur la voie de service qui est bien pratique. Je vais retirer donc le bouchon de la prise de pression et raccorder ma connexion. Il faudra connaître votre matériel car moi je sais ici que ma prise de pression c'est une prise de pression de type Schrader. Je peux démonter mon écrou de prise de pression sans aucun risque. Donc je connecte ensuite mon flexible qui est raccordé à ma station de récupération. Je serre fermement la connexion. Donc nous sommes prêts maintenant pour pouvoir récupérer le fluide frigorigène contenu dans la station de récup, mais aussi dans mon manifold. Donc on repart sur une étape classique que l'on a vue précédemment. Dans un premier temps, je mets en cale arrière ma vanne de service HP. Donc ça c'est très important. J'ouvre mon robinet HP côté manifold. Je peux ouvrir aussi la vanne obturateur de ma station de récup. Par contre, il faudra absolument fermer la vanne de départ liquide. Si vous n'avez pas de vanne départ liquide, vous pouvez aussi retirer la bobine de l'électrovanne. Donc l'idée ici, c'est de tout renvoyer vers le flexible bleu. Donc ici, on a le flexible jaune qui vient de la station de récupération. Nous avons aussi le flexible rouge qui arrive donc dans la chambre du manifold. Et dans la mesure où on a ouvert le robinet ici du manifold BP, on voit que la pression chute et que tout le fluide frigorigène contenu dans les flexibles est aspiré au niveau du compresseur. Donc nous sommes proches de zéro, le pressostat BP devrait couper. Il va falloir donc le forcer et fermer très rapidement la vanne de service BP, c'est-à-dire la mettre en cale arrière. Cette dernière partie d'intervention est quand même assez sportive, mais je pense qu'avec deux ou trois entraînements, vous allez très facilement réussir. L'intervention est presque terminée. Je recomprime bien sûr les presses étoupes de la vanne de service BP et de la vanne de service HP. Je peux déconnecter mon flexible bleu de la vanne de service BP et le flexible rouge de la vanne HP. Il n'y a plus de fluide frigorigène dans les flexibles, mais également au niveau de la station de récupération, les aiguilles sont à zéro. On va remettre les bouchons sur les prises de pression, qu'il faudra resserrer modérément avec une clé à molette. Et terminer bien sûr en remettant les bouchons noirs sur les carrés de manœuvre.
Il nous reste encore à déconnecter les flexibles. Donc ici, j'ai encore un flexible sur ma voie de service qui a été raccordé donc sur la station de récupération au niveau de la sortie out. Il faudra également reboucher ou remettre plutôt le bouchon sur la voie de service de la prise de pression et ranger les manomètres. Donc vous avez sûrement remarqué qu'il y a un gros travail sur l'organisation du poste de travail. Il faut être extrêmement rigoureux sur le rangement de vos outils. Vous pouvez couper l'alimentation électrique de l'armoire et ne pas oublier de remettre le cache de protection du pressostat HPVP. On en est à l'étape de recherche de fuite. Donc on va utiliser un détecteur de fuite électronique. Obligatoirement, il faut la référence ici indiquée pour pouvoir suivre après notre installation de façon correcte avec quel type de détecteur la recherche de fuite a été réalisée. Donc l'idée, c'est de faire tout le circuit dans le sens de circulation du flux frigorigène et de passer sur tous les raccords et sur toutes les brasures. Donc il faut allumer déjà la machine. Régler la sensibilité maximum et partir du compresseur. Et de faire, de passer sur chaque brasure, sur chaque étape. Je sors du compresseur, je vais ici. Filtre déshydrateur qu'on a remplacé aujourd'hui. On va y en liquide. L'électrovanne. Là, on va passer à l'intérieur. Donc ici, la date, on est le 17 juin. La classe TFCA. TFCA. L'étudiant, monsieur X. Bonjour. Type de fluide. R134A. Charge nominale. 1,1 kg. Quantité manipulée. Donc ici, on a récupéré 480 grammes, kilogrammes, pardon. Enfin, je ferai la. Et chargé. 1, un peu plus que 1,1 kg. Voilà.
nature, dépannage. Filtre. Emplacement. Filtre, DESI. Le type de détecteur, donc, avec sa référence, on retrouve ici notre détecteur. Donc, il faudra indiquer TFI. TIF. TIF, pardon. XP1A. État final, OK. RAZ, RAS. Formateur, monsieur. Monsieur X et monsieur Y. Voilà. Exactement. Parfait. Et cette fiche-là, il faut l'afficher. Après, il faudra l'afficher ici, au niveau de notre champ de force. Bien sûr, il faudra signer. Signer l'enregistrement.